Hey, salut à toutes et à tous, c'est Magicat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à l'Avengers Campus. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a déjà Spider-Man en haut du building de web. C'est trop bien. Donc c'est parti, nous allons commencer cette journée autour des Gardiens de la Galaxie. On se retrouve après l'intro pour plus de précisions. C'est parti, let's go. On a un peu papoté avec Spider-Man, c'était trop mimes, vraiment. Première fois d'ailleurs que j'arrive à le voir tout en haut, j'arrivais jamais à venir le voir avant. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de la sortie officielle du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et pour l'occasion, Disneyland Paris a fait quelques petites choses dans l'Avengers Campus. Et on va en parler tout de suite. Juste avant, on va aller voir Captain America qui est actuellement au Quinjet et qu'on a vu tout à l'heure quand on est arrivé sur l'Avengers Campus. Mais ça, je voulais filmer pour TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, mesdames, messieurs. Regardez, on a Captain qui est juste là, qui nous a dit qu'il y avait les gardiens qui arrivaient. Regardez, ils sont trop bien. Regardez, on va pas les déranger, on va se décaler. Regardez-les. Hello, how are you? Toujours très très énervé. Oh, regardez, il y a Star-Lord. Bonne journée. On vient de voir les Gardiens de la Galaxie. Gamora, elle était partie devant. Hop, il va se passer quelque chose, je crois. On va se décaler vite, vite. Bon, en tout cas, trop, trop cool. Ça fait plaisir. On arrive. On voit les Gardiens de la Galaxie. Petite photo en plus. Je pense que ce sera ce que vous retrouverez en miniature. Mais non, ça fait trop, trop, trop plaisir. Vraiment. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas revu l'Avengers Campus. Déjà, ça faisait un moment tout simplement que je n'étais pas venu à l'Avengers Campus. Et ça faisait un moment que je l'avais pas vu aussi vivant. Voir Spider-Man sur les toits, voir Captain America sur le toit, voir les gardiens se balader. Ça fait super plaisir. On retrouve l'âme de l'Avengers Campus que l'on avait l'année dernière, en tout cas, pour l'inauguration de l'Avengers Campus. Donc ça fait plaisir de retrouver un petit peu cette petite vibes. Là, je pense qu'il va y avoir les Dora Milaje ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont vraiment en train de tout clear. Et les gardiens, je sais pas où ils sont passés. Je crois qu'ils sont passés par là-bas. Mais en tout cas, très très sympa. On les a vus. Ça fait plaisir. Donc maintenant, on va aller se poser. On va parler un petit peu de toutes les nouveautés qu'il y a par rapport au film des Gardiens de la Galaxie. C'est parti. Let's go. Alors c'est bon, maintenant on est bien posé tranquillement. Comme je vous l'ai dit juste avant, nous avons rencontré les Gardiens de la Galaxie, donc qui sortaient de leur spectacle. En arrivant aussi sur l'Avengers Campus, je vous l'ai pas dit, on avait rencontré Groot. Donc je vous passe des extraits de Groot qui était du coup à l'endroit où vous pouvez rencontrer Ant-Man et la Guêpe, donc à l'entrée directement de l'Avengers Campus. Donc vraiment trop trop cool. Et donc pendant quelques jours, je crois, c'est pas spécialement précisé le nombre de temps que cela va rester, mais vous aurez des petits happenings avec les Gardiens de la Galaxie, en tout cas pendant les journées qui précèdent donc la sortie du film. Donc aujourd'hui nous sommes le jour J de la sortie du film. D'ailleurs ce soir je vais aller voir le film, n'hésitez pas bien évidemment à rejoindre sur Instagram afin de pouvoir voir les avis des films. Mais du coup, pour Disneyland Paris, qu'est-ce que l'on va avoir au sein de l'Avengers Campus pour les Gardiens de la Galaxie? Alors déjà, on a ces petites cartes à collectionner qui sont vachement sympas, que je vous ai donc déjà toutes récupérées. Attendez, je vous les mets dans l'ordre, il y en a trois. Vous avez donc la première qui est Groot. Tac, je vous la montre bien. Tac, le focus se fait, attendez, parce que c'est une galère ce truc. La petite carte de Groot, donc qui est vraiment trop beau, qui est dans son design des Gardiens de la Galaxie volume 3. Ensuite, vous avez celle de Rocket. D'ailleurs, vraiment, là, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir le film afin de savoir ce qui va arriver à Rocket. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il va rien se passer? Honnêtement, je suis trop trop hype. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un petit peu l'un de mes Marvel préférés. Donc, trop trop content. Et ensuite, on a aussi Cosmo, donc le chien. Donc trop 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 content. Donc j'ai réussi à avoir les trois. Alors je sais pas, il y avait des gens qui disaient sur Twitter comme quoi pendant un moment ils ne le donnaient plus qu'aux enfants. Alors c'était pas du tout vrai, enfin en tout cas moi personne ne m'a fait la remarque. Là on est l'après-midi, il est 14h58. Donc pour vous dire, les gens disaient qu'apparemment à 13h les casques devaient arrêter et donner que aux enfants. En tout cas ça n'a pas été le cas, ou sinon la consigne n'a pas été passée. Mais très très cool. Ensuite pour les enfants, il y a un autre truc. Alors ça, je l'ai récupéré au début parce que j'avais pas les cartes, et vu qu'on m'avait dit que de base les cartes étaient plus disponibles, je l'ai pris. Mais du coup voilà, c'est un petit truc pour les enfants. Du coup, yep, avec un artwork qui est vraiment très 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 joli. Mais bon après c'est très très joli aussi, hein. C'est trop trop mince. Là du coup vous avez des petits jeux
des petits jeux, des petites questions, des petits trucs, donc c'est vraiment trop mimes, où vous pouvez chercher Rocket et tout, enfin vraiment c'est très cool. Et ensuite bien évidemment, ça vous dit donc qu'est-ce que vous pouvez avoir à l'Avengers Campus. Donc on va aussi aller juste après, parce que à l'entrée de l'Avengers Campus, vous avez la possibilité de faire un Magic Shot avec Rocket, donc dans sa tenue des Gardiens 3. Donc on ira juste après. Oh, il y a Spider-Man qui est en train de passer là-bas, trop mimes. Comme quoi, ben, c'est vraiment impressionnant, hein, l'Avengers Campus. Comme je vous l'ai dit, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu aussi vivant. Et du coup, ce soir, à partir donc de 17h30, vous aurez à la fin donc, le happening héroïque avec les Gardiens de la Galaxie qui, comme lors du lancement de Ant-Man and the Wasp, viennent pour clôturer l'Avengers Campus et dire au revoir. Oh, il y a Spider-Man qui a fait un salto, je l'ai vu, en périphérie. Dans ma vision périphérique. Très stylé par ailleurs. Mais du coup, plein de choses en rapport avec les Gardiens de la Galaxie. Alors très content que Disneyland Paris réitère ce qui se passe bien. Honnêtement, tout ce qui est ces cartes là, c'est vraiment super cool que Disneyland Paris bah, continue, hein. Ils voient que ça plaît aux gens, donc ça fonctionne tout ça. Enfin bref, je suis vraiment trop content que Disneyland Paris continue ça. Effectivement, ensuite pour les points rencontres Gardiens de la Galaxie, pour faire des photos, vidéos avec eux, meet and greet avec eux, malheureusement il n'y en a pas encore qui sont implantés, bien que vous avez Groot du coup qui vient, qui vous fait coucou, mais ça c'est plus un selfie spot où il n'y a pas spécialement de gens qui passent en priorité tout le temps. Donc ça c'est plutôt cool, ça c'est vrai que c'est un principe aussi que j'aime beaucoup avec ce genre de petites rencontres comme ça à l'Avengers Campus. Mais du coup, si jamais vous êtes poli et respectueux à la fin du show des Gardiens de la Galaxie, vous pouvez réussir très gentiment à demander à Star-Lord ou à Gamora de pouvoir faire une photo. Là c'est vrai qu'aujourd'hui Gamora était comme à son habitude assez dépressif, on va pas se mentir, assez aigri de la vie finalement, c'est Gamora finalement, c'est Gamora. Donc vraiment en vrai très hâte de voir le film des Gardiens de la Galaxie, et comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur Instagram pour pouvoir en parler. Mais du coup ouais, les cartes c'est vraiment une durée limitée, ça va pas rester très longtemps. Donc dès que vous voyez cette vidéo, où j'espère que ce ne sera pas fini, au moment où j'espère que vous y serez allé avant, d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous y êtes allé, si vous avez eu toutes les cartes, dites-le moi, hein, ça fait plaisir. Sans savoir si vous aussi vous avez réussi à aller voir les castes, à aller leur demander, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est auprès de tous les cast members que vous avez dans l'Avengers Campus, que ce soit les autres de propreté, que ce soit bah, tout simplement les castes qui travaillent dans les wagons de nourriture, les castes qui accompagnent les personnages, tout simplement, c'est trop cool. Donc maintenant, on va aller faire le Magic Shot avec Rocket, donc c'est parti, let's go. Alors pour cette petite photo avec Rocket, ce sera devant la Tour de la Terreur, donc sur ce côté-là, ce sera à peu près là où tout le temps vous avez les photos. Déjà, il y avait eu celle avec Ant-Man en mode géant, donc là, je vais vous prendre en vidéo ce que vous allez avoir à côté, et dans tous les cas, je vous montrerai ensuite ce que ça donne avec la photo et la photo prise, le Magic Shot et tout. Du coup, on se retrouve à Stark Factory pour tester la Choco Orb. De toute manière, je voulais mieux filmer juste avant, donc je vous passe le rush. Donc Victor, qui l'a déjà entamé, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de cette petite Choco Orb? Bah écoute, c'est pas mal pour voir à l'intérieur. Ça a pas l'air très bon quand on voit ça, mais ça, finalement, c'est pas mal. Mais c'est bon. Ouais, non, c'est pas mal. Okay. Ça, oui. Et ben, je vais tester et je vous dirai si c'est un oui ou non. Donc c'est parti, à tout de suite, let's go. Le coucou. L'animation. Parce que vraiment, les autres fois, par exemple, quand il y avait eu Ant-Man 3, il y avait eu un vrai petit truc avec Ant-Man et la guêpe. Mais là, il y avait vraiment rien. Ils sont passés, quoi. Vraiment, là, ils sont passés. Bon. Le néant. Du coup, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vraiment. C'est vraiment
ils arrivent, ils se posent et ouais, ils se partent. Vraiment, vaut mieux voir leur show où vraiment vous les avez au cœur du truc que là où genre juste ils font un coucou quoi. En plus, ça l'air plein dans la gueule, on est tous les deux en train de fermer les yeux comme ça. Bon, on se retrouve tout de suite pour l'outro, à tout de suite. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, j'espère que Victor tu auras apprécié malgré ce petit truc de fin là avec les gardiens. J'espère que tu... Comment ? Bah genre là c'est fini là. Bon, ouais, là c'est terminé. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment si vous souhaitez vous abonner, bien évidemment abonnez-vous à la chaîne de ce monsieur là. Il faut le convaincre de refaire des vidéos. Il faut te convaincre à refaire des vidéos. Mais du coup n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification. Et nous on se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Ciao.